C'est les idéaux de la cuisine. Sur l'air de Madame Arthur, voilà. Que tout le monde connaît. Oui. Marguerite Durand est une femme qui a lutté longtemps. Ses journaux, ses convictions, sa femme font parler d'elle encore maintenant. D'abord, elle a voulu une française et reconnue pour ses talents. Puis découvre le journalisme, divorce et rentre au Figaro. Marguerite Durand est une femme qui a lutté longtemps. Ses journaux, ses convictions, sa femme font parler d'elle encore maintenant. En 1896, au Congrès international, elle rencontre les féministes, s'engage pour les droits des femmes. Marguerite Durand est une femme qui a lutté longtemps. Ses journaux, ses convictions, sa flamme font parler d'elle encore maintenant. L'année suivante, elle crée la Fronde, quotidien produit par les femmes. C'est Meurine Royer, Gerlanda, et la Christine Potouvillet. Marguerite Durand est une femme qui a lutté longtemps. Ses journaux, ses convictions, sa flamme font parler d'elle encore maintenant. Aux élections veut se présenter, pour elle la Française doit voter. Les travailleuses se syndiquer, les pacifistes être écoutés. Marguerite Durand est une femme qui a lutté longtemps. Ses journaux, ses convictions, sa flamme font parler d'elle encore maintenant. Elle lègue à la ville de Paris les archives des féministes. La bibliothèque à son nom transmet l'esprit de ses combats. Marguerite Durand, bibliothèque, elle doit durer longtemps pour recueillir l'histoire des femmes, les matrimoines de notre temps. Bravo. Bravo.